Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et vos copains? Et copines? On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? Bien là, on est au Vieux Lyon. On est dans le Vieux Lyon, absolument. Dans la vieille ville. Alors il fait nuit. Là, nous sommes précisément dans les vestiges du monde romain. Voyez un petit peu les copains et les copines. Voilà, des restes de maison romaine a priori, et on va aller faire un petit tour dans les traboules de Lyon. Qu'est-ce qu'on va faire dans les traboules? Une chasse Pokémon. Ah, ça on n'avait jamais fait encore, hein. Alors il paraît que dans le Vieux Lyon, il y a des Pokémon un petit peu rares. C'est ici que j'ai attrapé le trio Picker et la Monista. Ah oui, donc effectivement ça a l'air plutôt prometteur. Alors les chasseurs de Pokémon, hein, vous êtes prêts? Prêts. Oui. Allez, c'est parti, on chasse dans les traboules de Lyon. On va déjà faire un petit compte-rendu pour les copains et les copines des Pokémon qu'on a eu dans le Pokédex depuis notre dernière chasse aux Pokémon, puisque notre Pokédex a progressé, il me semble. Hein. Oui, pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu de plus alors? Tu nous montres? On a eu beaucoup de choses ratées et des nouveaux quand même. Beaucoup de choses ratées, d'accord. On a eu Florizarre. Ah, on l'a raté celui-là? Oui. On l'a vu, mais on ne l'a pas attrapé. Je suis particulièrement dégoûtée quand même. C'était où? C'était à Disneyland. Nouveauté, on a eu Tignon. Ah, celui-là on l'a eu par contre. Ouais, Tignon. Tignon, sympa. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Aussi en nouveauté, on a eu Magmar. Ah voilà, celui-ci on l'a attrapé. Oui. Aussi on a eu Kabuto. Ah, il est bien celui-là aussi, on dirait un casque. Et malheureusement, on a raté Dracos. Wow. Bon, effectivement, on en a raté pas mal, mais on va essayer de se rattraper là, hein, ouais, déjà ce soir. Et on va essayer d'en attraper un petit peu plus, si possible, des Pokémon qu'on n'a pas encore dans notre Pokédex. Oui, très bien ça. Vous êtes prêts les chasseurs? Oui, on est prêts. Allez, on y va. Un encens. Vas-y, on s'équipe. Allez, un encens. Et, voilà. Et on va marcher. Oui, allez, on va se balader. Alors les copains et les copines, ça va nous permettre de vous montrer aussi un petit peu le Vieux Lyon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la vieille ville, vous verrez, c'est assez... assez particulier, assez typique, assez inquiétant aussi parfois dans les petites ruelles, surtout la nuit. Mais c'est très joli. Nous voici au pied de la cathédrale Saint-Jean. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon ici? Au pied de la cathédrale? Bon. Non, c'est pas... ce n'est pas ce que nous espérions. On va continuer notre promenade. Ils ont commencé à mettre Halloween. T'as vu des trucs Halloween ici? Ah mais oui, bien sûr. Haha, les citrouilles. Les voilà. Halloween se rapproche. Et t'as vu? Il y a plein de bonbons ici. Mais là, on est venu pour la chasse aux Pokémon. Hein. On n'est pas venu pour la chasse aux bonbons. Chaque chose en son temps. Il y a un Kabuto dans les proches, il n'y en a pas souvent chez nous, alors ce serait bien de l'attraper. Ah oui, ça serait bien en effet. Ouais. Hein. Bon, ben, espérons qu'on arrive à se rapprocher de lui. On va avancer un petit peu pour voir où il se cache. Alors effectivement, nous sommes dans la ville de Lyon, donc il y a des lions ici, en statue en tout cas. Et derrière, vous voyez ces bâtiments, c'est ce qu'on appelle justement les traboules lyonnaises, c'est-à-dire les petits passages comme ceux-ci dans les immeubles. Donc dans les traboules, il y a aussi des passages secrets. Donc là, on aimerait surtout qu'il y ait des passages à Pokémon pour l'instant. On va voir si on trouve ça. Alors là, le Kabuto, au début, il était en première place et maintenant, il est en deuxième. Et il a basculé en deuxième place. Bon, on espère quand même qu'on va réussir à le trouver. Ah voilà. Ah, le voilà. 138. Attends, il va essayer de l'attraper, Néo. Oh, c'est marrant, c'est un espèce de coquillage là. Il y a ses yeux. Bon, je il est rigolo. Utiliser la Super Bowl parce qu'on en a pas. Oui, oui, parce que celui-là, je pense qu'il va pas se laisser faire. Oh, super, du premier coup, bravo mon grand. Ils sont faciles à attraper avec leur carapace. Alors. On l'a eu. Oh, super. Swan, on l'a eu. Yeah. Ah, c'est bien. Ah bah voilà, c'est une belle prise hein. Ça commence bien. Super. Oh, il y a un spectrum maman. Là? Wow. Oh, spectrum. Allez, vas-y mon grand.
avec l'encens. Eh ben dis donc, on a bien fait de venir, hein. On a déjà eu un spectrum l'autre fois, on y est allé. Avec ses mains là, c'est spécial, hein. Et on dirait un fantôme détaché. Oui, c'est vrai, ça ressemble à ça. Wow, super. Ouais, c'est bien. PC 784 pour celui-là. Ouais. Et celui de tout à l'heure, du coup, t'étais tellement dans le speed d'avoir le spectrum que tu m'as pas donné le PC. 138. Ah, 138 PC. Oui, c'était un petit alors, du coup. Ouais. Bon, enfin, c'est déjà bien de l'avoir eu. C'est rare quand même. Je suis trop content d'avoir le spectrum. Waouh. C'est pas souvent. C'est bien, hein. C'est bien. On continue ? On continue. Oui, ça se présente très très bien. Allez, on poursuit. Là-bas, il y a un leurre, alors on va y aller. Là-bas où ? Là-bas. Tout droit ? Droit. Bon, alors tout droit, on va aller chercher le leurre. Alors là, effectivement, on est dans la vieille ville, hein, les copains, les copines. Regardez, on a les vieux bâtiments. C'est très joli. Le vieux Lyon, c'est super chouette. Hein. Effectivement, au niveau de l'architecture, quelque chose de magnifique. Donc là, on se rapproche du Pokéstop avec le leurre. On y est là. Bon, on va voir s'il y a quelque chose par ici. Alors, le Magikarp, bon, ça, on connaît. Mais du coup, c'est toujours bien. Qu'est-ce que tu essayes d'obtenir en multipliant les Magikarp en fait? Le Navigator. On l'a déjà. On l'a déjà, mais pour un deuxième, pourquoi pas. Peut-être plus fort que le premier d'ailleurs. Ah oui, plus de potentiel, d'accord. Il y a Caninos qui se rapproche là. Donc pour l'instant, on est à l'arrêt puisqu'on est à côté du leurre. Dans un petit moment, on va reprendre la route pour faire éclore les œufs. Oui. Et aussi, là, tu as mis un personnage en compagnon. C'est qui du coup? Férosinge. Alors, Férosinge. Donc ça, c'est pour rapporter des bonbons, hein? Oui, c'est ça. Et pourquoi t'as mis Férosinge? Bah parce qu'on peut bientôt le faire évoluer, en fait. Ah, il nous manque des bonbons. Oui, on est à 45 et il en faut 50. D'accord. Bon, on va peut-être se remettre en route, non? Parce que du coup, le leurre, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose quand même. Hein. Non, pas grand-chose. Allez, on va marcher. Ouais. Au moins, on va remporter des bonbons, faire éclore les œufs. Allez, on y va. C'est Swan qui reprend le téléphone. Et c'est lui qui chasse. C'est chacun son tour, c'est bien normal. Ouais, c'est bien. T'as un bon lancer, mon cœur. Hein. Ouais, non, mais là, c'est fou. 1, 2, 3. Et c'est bon, super. Bien joué avec tout plasma, on va vous montrer les bonbons. Alors, on a combien? 79 bonbons. Hein. Et il en faut combien? Il en faut 100. Oui, ça se rapproche, ça se rapproche, on progresse. Donc là, on est un PC 139, bon, c'est un petit, hein. Mais en tout cas, pour les bonbons, c'est bien quand même. Très bien. C'est un Nidoran mâle ou femelle ça? Femelle. Et femelle. On a Nidorina et il ne nous reste plus qu'un bonbon et on peut faire évoluer en Nidoqueen. Ah, donc c'est intéressant. Ah oui, oui, c'est très bien même. Ah non. Allez, mon poussin. C'est bien. 1, 2, 3. Ouais, c'est bien, super. C'est bien. Alors les bonbons? 102 bonbons, on peut le faire évoluer. Ah, c'est bien. Ça, ouais, c'est super. Hein. Alors ici, c'est la salle d'arcade et celle de jeu dans laquelle on vient assez souvent d'ailleurs avec les garçons en fait. Hein. Donc il y a des jeux vidéo, il y a un petit peu de... une machine à pince aussi, voilà, dehors il y a de la barbe à papa, donc c'est assez sympa. Alors pour l'instant on vous a pas fait de vidéo ici, les copains et les copines, c'est une petite salle d'arcade en fait. Mais bon, si ça vous dit, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir, parce que les garçons ils vont souvent en fait, ouais, ils aiment bien, donc ça peut être sympa de vous faire partager ce moment. Qu'est-ce que ça donne les chasseurs? Pas grand chose, juste un dossier. D'accord. Bon. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous, nous sommes lyonnais. Et voilà, regardez le personnage un petit peu typique, on va dire, de Lyon, c'est Guignol. Guignol, c'est une marionnette, en fait. Voilà, c'est celui qui a le nœud papillon rouge, Guignol. Donc, pour les enfants de Lyon, effectivement, c'est très connu. Il y a un racaillou. Pardon? Un racaillou? Un racaillou. Super racaillou, on en a besoin. Enfin, on peut déjà faire. Ah, c'est bien, Swan. Hein. Joli tir. 1, 2, 3. Yes. On peut c'est déjà bien. Faire évoluer un gros lemme. Il a combien de PC, celui-là? 440.
440. Super les garçons. Ça, ouais, c'est vraiment très très bien. Hein. Ah, c'est bien. Bonne chasse. Et on enchaîne avec un Krabi. Voilà, qui se trouvait là aussi. C'est bien Poussin. C'est bien. Ouais, super. Ça marche bien devant la boutique de Guignol. Alors là, on vous montre encore des Guignols. Voilà, c'est typique encore une fois de notre ville de Lyon. Et les copains et les copines, on va vous dire aussi comment on appelle les enfants à Lyon. C'est un mot particulier, on les appelle les gones. Voilà, les enfants lyonnais, ce sont des gones. Donc soit Nénéo, ce sont des gones. J'ai ma sœur, elle est fan de vous. Salut. Salut. Et photo souvenir. Magnifique. Donc après la rencontre avec les fans, avec qui on a discuté un bon moment d'ailleurs, parce qu'il y avait les mamans aussi, donc on a bien papoté. On reprend notre route, et là on arrive devant le musée Gadagne. Fantominus ? Ouais, Fantominus. Swan, viens vite, il y a Fantominus. Oui. Du PC. Super. Oui, du PC. Mais bon, au moins tu l'as eu. Alors du coup, au niveau des bonbons... 82. Oh, on se rapproche. On y est presque. C'est bien. J'adore les toboggans, c'est l'un des préférés Pokémon. Il y a Swan qui a trouvé une nouvelle forme de toboggan. Le super toboggan. C'est très confortable, t'es sûr? On reprend notre route. Waouh! Allez, c'est bien ça! On n'a pas souvent des mini dragons. Touc! Voilà. Oui, c'est bon? Allez, c'est bon, oui, laissez. Il peut pas partir. Alors? Allez, c'est bon pour mini draco. 371. PC 371. Hyper loin du Dracolos, mais ça va. Ah oui, mais bon, il faut bien, hein. Il faut bien avancer petit à petit, hein. C'est magnifique, ouais, c'est très chouette. Et là devant nous, il y a un immense escalier. Donc on l'a déjà pris à plusieurs reprises, hein. Ça fait les jambes. C'est un escalier de Chine. Ah bon, pourquoi de Chine? Un escalier de Chine. Géant. Ah bon, tu confonds pas avec la muraille de Chine? Si. Voilà, petit poussin. Sur une très jolie place, il y a de jolis bâtiments aussi, voilà, très sculptés en face là, et puis il y a même un chanteur, voilà, c'est très agréable, il y a de l'ambiance ce soir. Encore un Fantominus, ouais. Alors là, allez, contre, les Fantominus, maintenant ça devient sérieux, parce qu'on se rapproche énormément de l'ectoplasma, là on est bientôt à 100. Ah, ça devient très intéressant donc, c'est bon, tu l'as eu? Oui. On en est où maintenant? On a 87 bonbons, on est mais vraiment très proche. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Un monsieur mime est apparu. Oh non, oh non, non, il est parti. Bon, bah là, dommage, ouais, cette fois-ci. Dommage. On ne l'a pas eu celui-ci. Sniff, sniff, sniff. Caninos. Caninos. Wouhou. Ah, voilà, il est dedans. Alors, on va voir si ça tient. Non. Allez, encore un petit effort. Oh là là, décidément. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. On fait déjà deux qui s'enfuient. Oh. Encore un Fantominus. Voilà. Bon, en fait, dans le vieux Lyon, il y a plein de Fantominus. Voilà, l'ectoplasma, on y est bientôt. Hein. On y est presque, on y est presque. On l'a eu. C'est bon? Ah, ouais, super. Bon. Alors, combien il a de PC déjà, celui-là? 200. Ah, on est à 90, plus 10 bonbons. Oh. Si ça continue comme ça, on va peut-être pouvoir le faire ce soir. Oui, hein. Peut-être. Hein. C'est possible. Hein. Il y a des endroits bizarres ici. Hein. Où est-ce qu'on va là? Moi ça me va très bien. On va dans le noir? L'obscurité. Alors entre deux Pokémon, on a fait une petite halte dans un bouchon lyonnais.
Et oui, les restaurants lyonnais typiques, on les appelle des bouchons. Et donc, Swan, il a voilà, un plat lyonnais, c'est du saucisson chaud avec du gratin dauphinois. Est-ce que c'est bon, petit cœur? Très très bon. Très très bon. Bon, nous on attend. On a servi Swan en priorité parce qu'il avait très très faim. Et nous on attend nos plats qui seront un petit peu différents. Et puis on attend aussi les Pokémon par la même occasion. Et bien sûr, derrière nous, il y a Guignol. Voilà. C'est vraiment le bouchon typique lyonnais. Hein. Il y a même Guignol avec nous. Arnaud, qu'est-ce que tu manges, toi? La salade lyonnaise. Tout à fait. Salade lyonnaise, typique. Avec des croûtons et des lardons. Mmh. Et nous, avec le papa, on se partage une soupe à l'oignon. Ça aussi, c'est assez typique de Lyon. Et bien sûr, on joue aussi avec le bracelet Pokémon Go+. Alors, vas-y. On lance la Pokéball. Ah. Ah, encore un autre. Ah oui, l'autre Pokémon est apporté. Le premier n'a pas fonctionné. C'est Mimitos qui s'est échappé, on nous dit. Oui. Et le deuxième, alors? On l'a eu. Tu l'as eu? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'était un Krabby. Krabby est attrapé. Voilà, c'est bon. Le Krabby, il est dans le Pokédex. Super. Alors, pour Néo, saucisson lyonnais également. Et puis des lentilles aussi. Oui. Et sauce vigneronne pour le saucisson. Puis c'est de la purée de carottes avec. Pour maman, c'est un gâteau de foie de volaille avec des petites quenelles. Alors, les quenelles aussi, c'est très lyonnais. Et pour le papa, quenelles de brochet. Sauce Nantua. Je crois qu'on va vraiment se régaler. Ah, c'est rare ça, non? C'est un d'Armagnan, on en voit pas souvent. Allez, vas-y. 45 PC par contre. Ouais, mais bon, c'est bien déjà d'en avoir un. Hein. Et voilà. Ah, effectivement, oui, tout petit PC. Mais on l'a eu quand même. 58 petits PC. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que t'as vu, Swan? Un dracoufeu. Un dracoufeu. Ah. Le gros dragon, c'est un dracoufeu, ça? C'est vrai que ça ressemble. Petit coquin. Ouais, mais il y a un pois sirène. Un pois sirène. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble aussi. C'est joli en tout cas. Hein. C'est vrai que ça ressemble à un pois sirène. Ah voilà, force de marcher, on a un 9. Oui. Alors. C'est un 5. C'est un 5? T'es sûr? Un Goopix. Oh, c'est bien ça, non? Oh, oui, c'est très bien. Bon, 458, mais... Ouais, 458 PC, mais quand même un Goopix, c'est bien. Regardez les enfants, comme c'est joli. Et on dirait un peu l'ascenseur hanté, son bâtiment, là. Tu trouves que ça ressemble à l'ascenseur hanté? Avec les tunnels. Avec les tunnels, oui. C'est très imposant, ce bâtiment. Hein. Surtout avec les escaliers en colimaçon, là. C'est joli comme tout. Hein. Allez, encore un 9. Tu appuies, Swan? Non. Allez, hop. C'est quoi? Oh non, ratata! Oh non, c'est un œuf 2 km ça? Oui. Pff, ça valait bien le coup, tiens. Bon, tant pis. Alors là, on a eu un petit bug, on a eu une heure d'ensemble. Waouh! Eh oui, regardez ça, les copains, les copines. Il nous reste 53 minutes d'encens. C'est surréaliste. Ouais, incroyable. C'est marrant ça. C'est marrant. Bon, bah, espérons que ça nous soit utile, hein, parce oui. Que pour le moment, même avec beaucoup d'encens, il se passe pas grand chose là. Hein. Non. Allez, on va reprendre notre marche. Encore un 9. Un 9. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci? Peut-être qu'on a bien marché quand même. Oh, Miaouss. Ouais. 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 On a déjà pas mal. En plus, un PC à 404. Ouais. Bon. Bon, c'est quand même un Miaouss, c'est bien. Alors les garçons, ça y est, c'est fini pour cette chasse aux Pokémon? Oui, c'est fini. Bon, qu'est-ce que vous avez attrapé? Alors, vous me montrez? Alors, au début, on a attrapé un Kabuto. Oui. Ah oui, voilà. C'est du début, je me souviens, oui. Ensuite... un Spectrum. Oui. Un Magikarp. Mmh. Un Nidoran. Un Rakaillou. Mmh. Un Krabby. Oui. Un Mini Draco. Un Roucarnage, bon. Un Roucool. Oui. Titar, Starry. Titar encore. Psychoquad, Krabby. Titar, encore un Krabby, 500 PC quand même. Oui. Chenipan, Hippotrembe, Ramolos, Hippotrembe, 10 PC, Starry, Roucool, Krabby, Krabby, Mimito, Dardagnan, oui. Zoserapti, deux Roucool, un Pois Sirène, Aspico, Piafabec, un Goopix. Ah, ça c'était bien, oui. Un Rattata, bon, un bon Tentacruel quand même, bon, un bas PC, mais c'est rare quand même le Tentacruel. Un Abo.
Ratata, Spicot, Roucoule, bien sûr. Poissirène, Chenepon, Nosferatu, Piafabek, Nosferati, Ratata, Soporific et Miaou. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Oui, c'est une bonne balade. Au moins, on aura bien marché dans le vieux Lyon quand même. Hein. Maintenant que la chasse est terminée, c'est bon, on rentre hein. Ah, les évolutions, bien sûr. Il y en a beaucoup à faire évoluer ou pas? Pas mal, ouais, quand même. Les copains et les copines, pour clore cette chasse aux Pokémon dans le vieux Lyon, on termine avec les évolutions.